Bonjour, c'est Essa de la chaîne La Voix de l'Actualité. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Pierre Garnier est sur tous les fronts. En ce moment, il jongle entre les séances d'enregistrement pour son premier album et les répétitions pour la tournée de la Star Academy. Mais ce n'est pas tout, le vainqueur de la 11e saison aurait également trouvé le temps pour l'amour. Selon les informations de public, le jeune homme de 22 ans aurait craqué pour une chanteuse belge, Iliona Roulin, plutôt que pour Elena son ancienne camarade du château de Damarielis, Admirateur de cet artiste, Pierre aurait déjà repris ses chansons sur les réseaux sociaux et l'aurait même contacté pour enregistrer un duo pour son premier album. Une collaboration acceptée par Iliona Roulin, âgée de 23 ans, qui aurait profondément touché le cœur de Pierre. D'après Public, les longues heures passées en studio avec cette auteure-compositrice-interprète ont fait naître des sentiments chez le chanteur, tandis qu'Iliona Roulin gagne en notoriété en Belgique. Ilyona Roulin suit les traces d'Angèle, mais avec son propre style. Petite fille du sculpteur Félix Roulin, elle s'est fait connaître dès l'âge de 16 ans en lançant sa chaîne YouTube où elle partage ses propres compositions musicales ainsi que des clips qu'elle réalise elle-même. Après avoir signé sur le label Artside Music deux ans plus tard, elle a publié trois titres, notamment J'ai du mal, Rattrape-moi et Moins joli. Ses débuts prometteurs ont abouti à la sortie de son premier épée, Tristesse, en 2021. Suivi l'année suivante par un deuxième disque, Tête brûlée, dont son extraits les titres Si tu même demain et Garçon manqué. Elle se produit également sur scène lors de nombreux festivals en Belgique et en France, où son style mélancolique à la française a séduit le public. Interrogée par le Figaro en 2022, elle avait confié s'être inspirée de grands noms comme Françoise Hardy ou Barbara. Bien que souvent comparée à Angèle, une autre artiste bruxelloise, Iliona Roulin ne se sent pas offensée. C'est tout l'inverse. On vient de la même ville, on se tire vers le haut et on se montre solidaire, a-t-elle déclaré au Figaro. Son état d'esprit et son talent ont certainement conquis Pierre Garnier, qui semble être tombé sous le charme de la Belgique. pas dans la section de commentaires et la cloche de notification. Merci et à bientôt.